Déjeuner des bibliothèques, t'as rendez-vous mensuel le troisième samedi de chaque mois à 10h30 à la bibliothèque Gaston Chessac. Que ça soit vacances ou pas vacances scolaires, on gardera toujours le troisième samedi pour que ça soit vraiment un rendez-vous, que ça sera pas forcément de la littérature parce qu'on est médiathèque, hein. Il y aura des romans, des nouveautés, mais aussi des romans un peu plus classiques, enfin, des coups de cœur. Il y aura aussi des livres jeunesse, il y aura aussi de la musique, et puis des films qu'on a en DVD. Puis, bon, ça sera un échange un petit peu avec les lecteurs. Ça sera vraiment une présentation pour donner envie aux gens d'emprunter ce livre. Voilà, ben, voilà, tous les mois, il y aura des thèmes différents. Et ça peut être aussi une ou deux fois par an l'accueil d'un auteur ou d'un illustrateur et autour d'un musicien parce que bon, on vous l'a dit, on a aussi des CD audio. Il peut y avoir des invités, auteurs, voilà, quelque chose de très convivial où tout le monde peut venir. Voilà, on veut surtout que tout le monde se sente à sa place. L'art n'est rien s'il n'est pas le ferment d'une république de l'esprit. L'art n'est rien si nous oublions la raison pour laquelle Alice a suivi les entrelacs foisonnants du lapin blanc. En rond et grand comme un chapeau, tatouage de marin sur ma peau, à l'image du roi des cieux, pour voir démons courir au trot, côté du dos et de la queue. Et puis cette imprégnation du milieu, je pense, breton, mais des années 30, c'est-à-dire, peut me faire penser au Morvan à la même époque. Complètement. Hein, oui. Complètement oui. Le temps parfait, c'est le printemps et ses splendeurs. Quand le printemps est là, viennent lumière et fleurs.